Phnom Penh, 500 000 d'habitants. Phnom Penh, qui demeure fidèle à l'Asie, bien sûr, mais qui s'est mise elle aussi, comme ses sœurs, à l'heure fonctionnelle. Commerçants, banquiers, artisans, intelligents et travailleurs, ces fils du ciel gèrent fort bien leurs affaires terrestres. Fonky, un artiste d'origine cambodgienne, rêve de transformer notre vision de ce pays en devenir. Comme une page blanche d'un manuscrit vierge, le Cambodge attend que son histoire s'écrive. À l'encre indélébile, Fonky tatoue la ville et nous rappelle les légendes qui ont façonné cette contrée. Le Cambodge, blessé par un passé tragique, regarde de l'avant et change à une vitesse effrénée, poussé par une jeunesse bouillonnante de créativité. Ensemble, ils réinventent leur culture, la culture khmer du futur. En mai 2023, Phnom Penh ne sera plus jamais la même. Un dieu fier et puissant se dresse à l'entrée de la capitale. Mais ce n'est que le commencement. La jeunesse cambodgienne est prête à surprendre, éblouir, faire rêver et bâtir la culture khmer de demain. Ô Cambodge bien-aimé, tu es entre de bonnes mains.